Et salut à tous amis gamers, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu Maple Story 2. Alors je m'excuse d'ores et déjà en avance pour la vidéo, tout simplement parce que je n'ai pas encore un gros setup pour tout ce qui est facecam. Vous le savez, je suis plutôt habitué du post-commentary. Ça me perturbe toujours un petit peu de faire du facecam, mais bon, je vais m'y habituer. Et pour le coup, j'ai commandé là tout récemment une webcam ainsi que une webcam un petit peu de qualité quoi on va dire, ainsi que un fond vert. Parce que jusqu'à maintenant j'avais investi dernièrement sur le micro qui est à ma droite, j'avais investi également dans d'autres petits gadgets, mais jusque-là je n'avais encore jamais vraiment investi dans tout ce qui est visuel. Et je pense que assez régulièrement je vais vous proposer des petites vidéos comme ça, dans lesquelles en plus de ma voix, en plus de mes arguments, vous aurez un visuel. Alors je suis un petit peu fatigué, veuillez m'en excuser, donc je viens de sortir de ma première journée de travail, une journée d'observation, c'est pour ça que je suis un peu sapé avec une chemise blanche, hein, c'est le dress code comme on dit. Et je me suis dit, pour se détendre un petit peu, eh bien autant vous faire une vidéo sur Maple Story 2. Maple Story 2, c'est un MMORPG qui est en bêta fermée pendant la semaine à venir là, et j'ai réussi à avoir une clé bêta, j'ai pas réussi à avoir de giveaway malheureusement, je dois pas assez peser dans le game. Ou alors ils n'ont tout simplement pas reçu mon mail, hein, parce que auparavant j'avais l'adresse mail de Nexon, j'avais eu pas mal de contacts et pas mal de giveaways sur d'autres jeux, Riders of Icarus par exemple, mais là c'est le vide complet, j'ai pas retrouvé le mail, je me suis contenté d'un petit tweet, et on verra s'il y aura du giveaway derrière. Alors, excusez-moi, je tape un petit peu dans le micro. Alors, on a plusieurs serveurs forcément, et nous bah, on va jouer sur le serveur européen. A savoir que je n'ai jamais joué à Maple Story premier du nom, je vous en ai fait part dans ma dernière vidéo actu, normalement elle va sortir probablement le jour où je tourne cette vidéo. Et donc je vous ai déjà parlé de ce jeu si vous avez suivi la vidéo actu. Donc il y a 8 classes proposées sur Maple Story 2, il y en avait beaucoup plus sur Maple Story premier du nom, beaucoup plus de contenu également, mais je trouve que 8 classes c'est quand même déjà assez suffisant pour un lancement de jeu. Et sur Maple Story 1, ça jusqu'au niveau 250, ce qui signifie quand même qu'il y a pas mal de contenu de base sur ce type de MMO. Alors il y a le chevalier, il y a le sorcier, l'archer, l'assassin, le berserker, le prêtre, le gunner avec une machine gun, hein, et l'assassin. Alors je vais baisser un petit peu mon son, veuillez m'excuser, hop. Donc je vais pas faire de montage, hein. Si je fais une vidéo justement facecam, c'est pour m'éviter de faire un petit peu trop de montage. Parce qu'avec le taf, si je faisais que des vidéos montées comme d'habitude, ça me prendrait beaucoup de temps. Et je suis sûr que ça peut vous plaire de changer un petit peu de style de vidéo. Alors, vivement que j'ai une cam que je puisse mettre sur le côté, parce que c'est très perturbant de devoir parler dans le micro qui est à ma droite, et en même temps de temps en temps de regarder la cam qui est là, salut! Parce que c'est vrai que c'est assez perturbant, alors que si j'avais la cam directement à ma droite, comme ceci, je pourrais vous parler en face et vous montrer l'écran en même temps, ce qui serait quand même beaucoup plus pratique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme classe? Amstramgram, piki piki coligram. On va se lancer sur un voleur. A thief. J'ai une super prononciation en anglais, on peut le relever. Donc malheureusement le jeu pour le moment apparemment n'est que en anglais, ou alors j'ai oublié de checker. Je dois avouer que j'ai pas regardé, mais je pense que pour cette bêta il est qu'en anglais, ça me paraît cohérent. Alors, une petite vidéo pour nous expliquer comment gérer une création de personnages. Donc c'est un jeu qui, encore une fois, s'adresse à une clientèle plutôt jeune, mais qui a du contenu, qui a une grosse fanbase. Et je pense que ça peut pas faire de mal de checker un petit peu comment ça se passe. Donc on peut voir qu'il a l'air d'avoir des outils de customisation assez sympathiques, un petit peu à la BDO, mais en version beaucoup plus simple à prendre en main peut-être. Et on va voir un petit peu tout ça. Alors, je peux faire un homme ou une femme. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas fait un mec, donc on va faire un mec. On va faire un mec. Alors, oulala, la coupe de cheveux rose, pas trop mon style. Qu'est-ce qu'on a comme jolie coupe de cheveux? Donc, il y a pas mal d'outils de customisation. Je pense pas qu'on va y passer, 37 millions d'années non plus. Donc, on va lui faire une coupe en mode Sephiroth. On va lui mettre les cheveux blancs. Ouais, blanc. Je me prends pas la tête, hein. Honnêtement,
Veuillez m'en excuser, je suis beaucoup plus doué pour faire des personnages féminins qui sont à chaque fois quand même assez réussis. Souvent on me demande mes presets sur les MMO. Pour les personnages masculins, c'est autre chose. On va lui donner un air. Un air méchant, j'ai envie de dire. Un air méchant, mais pas trop non plus, quoi. Celui-là me plaît bien. Bon, je suppose que c'est juste un skin pour voir le preset, ça. Hein. Et puis c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Alors, le pseudo. Alors. En général, les pseudos de mecs, j'ai pas une grande librairie de pseudos. Je me base soit souvent sur des anciens RPG, parce que vous savez, hein, je suis amoureux des RPG. Et pour le coup, pour rester dans le thème du style, on va l'appeler Diaz. Donc pour ceux qui connaissent, voilà, vous connaîtrez la référence, je vous laisse deviner, je vous laisse le mettre en commentaire si vous avez trouvé. Et ce n'est pas pris, c'est cool. It's a cruel world, so don't worry about being fair. Alors, on nous montre un peu tous les boutons, mais bon, je suppose que je vais devoir prendre un petit moment pour changer les presets. Je cutterai au montage quand même. Je vais pas non plus vous montrer tous les trucs chiants. Je vous laisse écouter l'intro. On se retrouve tout de suite après. On se retrouve juste après l'introduction, parce que finalement, j'ai fait le choix de vous la cut, parce que ça prenait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et je pense que c'est pas forcément très intéressant pour vous. Donc, on se retrouve directement sur la bêta. Alors, dans le chat, on voit qu'il y a des caca. Fuck. Alors, on a le classique contrôle. We use the mouse and the way to move. Point and click. Ouais. Donc, soit on se déplace en mode ZQSD comme dans tout MMORPG, soit en point and click. On va rester en classique. Sorry, I'm no good with this. This isn't gonna help me. Forcément. Sorry, I'm no good with this. This isn't gonna help me. Attends, me dis pas qu'on peut bouger qu'avec les flèches quand même. Sinon, je vais me mettre en point and click. Hein. On va se mettre en point and click le temps du tuto, moi je pense. Ce serait peut-être même plus pratique tout court, parce qu'on peut se déplacer en restant cliqué. C'est quand même nettement plus pratique. Par contre, je peux pas changer les binds pour l'instant. On va suivre le tuto. Alors, move diagonal, pas précis, directionality. Bah, pour le moment, je move pas vraiment en diagonale, mec. Bah, je peux move tranquillement. Et franchement, le jeu a de la gueule. Hein. Pour un petit jeu comme ça. Alors, equip the weapon. Donc, on a le fameux air score. On va équiper notre arme. Forcément, je suis un voleur, donc j'ai deux armes. Proc contrôle. Contrôle, c'est auto-attaque? Il va vraiment falloir jouer avec les vrais, c'est pas possible. Ah, par contre, ouais, pour les binds de base, ils sont un peu chiés dans la colle. Ils ont pas l'habitude de MMO, quoi. Bon, le F au moins ça passe. C'est toujours ça de prix. J'espère que vous me voyez bien quand même. Je sais pas du tout, j'ai pas de double écran. Moi je suis sur un PC portable. Alors je vais couper tout ce qui est histoire. Veuillez m'en excuser, mais sinon la vidéo va durer 10 plombes. Et c'est pas du tout l'objectif. Ok, donc il y a un sas de banque qui a explosé. C'est trop facile. LOL, easy mode, VIX. Expert en démolition. C'est un métier, ça se tient. Hein. So much cash, so much gold. Bon, elle, c'est une e-girl qui a besoin de PO. Je déconne. Et ça, c'est Kyle. Master of Daggers. Talk to Kyle. Donc, c'est mes potos. Rob from the Rich. Hop. Alors, move money back from the safe to the exit. On va prendre l'argent, on va la ramener à la sortie. Alors, franchement, c'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau de voir un petit jeu comme ça. Enfin, je dis un petit jeu, mais à mon avis, d'avoir pas mal d'argent dans le développement.
Un jeu comme ça qui sortirait sur mobile, ça serait assez propre quand même, au lieu de nous sortir des chiasses immondes où tout est automatisé. Et pourtant, c'est le style graphique qui pourrait bien coller avec du mobile. Bon, par contre, je suis déjà niveau 4, j'ai même pas eu le temps d'éternuer. Dang it, what now? Ah, forcément. Et les flics. Ok, donc Jean PGM va les maîtriser pendant que nous on se casse. Ok. Alors qu'est-ce que j'ai comme spell? Je peux pas m'en servir? Si, c'est bon. Non, je peux pas. Ok. Pourquoi je peux pas? Ok, il y en a un qui marche. Ça c'est un dash. Petit coup de dash. Ah mais c'est vrai, c'est pas Z. C'est quelle touche déjà de passer. Quand on est en QWERTY. Normalement c'est le W. Ah, c'est le W. Pas très pratique. Ah mais c'est pas Jean PGM, c'est moi en fait. T'as tellement le même skin quasiment avec le maître des dagues. On a un officier qui se pointe. Plus de fun sur ce MMO que sur Révélation Online au bout de un mois de jeu. C'est ouf quand même. Bon, par contre, veuillez m'excuser pour mon manque de gameplay, mais je suis pas habitué à jouer avec ce type de bind. Ah, il tape devant lui forcément, pas là où il y a mon curseur. Ça, c'est pas forcément très. C'est pour ça que je pense que je préférais l'autre système de déplacement parce que le fait de devoir être en face de l'adversaire, c'est pas forcément ouf. J'ai même pas lu mes spells, peut-être qu'il y a des combos. On verra ça plus tard. En tout cas, niveau gameplay, c'est propre en vrai. Hein. C'est fluide, c'est pas statique. Salut Bless Online. Donc je comprends pourquoi Maple Story premier du nom a eu beaucoup de succès en Corée du Sud. Parce qu'en Corée du Sud, ils aiment beaucoup les MMO justement qui... Bah déjà, kawaii va vous faire un dessin. Tout ce qui est social aussi. Là-bas, ça cartonne. Mais surtout, c'est le gameplay, quoi. Les MMO coréens, c'est du bon gameplay. Et quand le gameplay est au rendez-vous, en général, là-bas, ça cartonne. Alors que chez nous, le gameplay, c'est pas forcément ce qui prime le plus. Bon, nous voilà dans le bidonville. Petite musique. Follow the path. Ah, est-ce que je peux changer les touches, hein? Non. J'espère qu'ils l'ont pas désactivé pour la bêta. J'ai beaucoup d'icônes. Voyons voir un petit peu ce qu'il y a. On peut utiliser une manette. On testera ça peut-être dans une vidéo. Vu que j'ai une manette pour. Bon, une simple manette 360, je pense, suffit. Ok. On a un petit peu dehors. Forcément, il y a El Famoso, calendrier. Les pets. Non, j'ai pas de pet, je sais pas pourquoi ça brillait. Caractère. Je peux mettre des points? Non, on est zéro pour le moment. Ça tapera un certain niveau. Ah, donc en fait, la outfit que j'avais au départ, peut-être le garder en fait. C'est sympa. C'est pas très. Yep, 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 bro. Hey, bro. J'ai des mails, je suis le famous. Attends, qu'est-ce que ça me met? Ok, je suis toujours dans le tuto, donc c'est normal. On va poursuivre. Salut, old lady. Level 1, je suis level 4, quoi. Prenne trop pour un noob. Give money to George. Ok, on fait les restos du cœur. Il faut un petit peu, hein, il faut dans la vie. Hein. Être gentil avec ses proches. Bon, dans un jeu vidéo, c'est pas forcément très fun. Give money to Cindy. Where is Cindy? Ok, elle est là.
Wesh, pas besoin d'argent, elle, c'est une gamine. Speak with the old lady. Goodness, I haven't had visitors in ages. Donc c'est quand même assez rare que je fasse des vidéos de gros noobs en mode découverte, lancement. En général, c'est plutôt réservé à d'autres youtubeurs qui sont experts dans ce domaine. Moi, je suis plutôt dans le contenu endgame. Mais bon, il n'y a qu'une semaine de bêta et vu que je taffe en même temps, ça va pas forcément être très facile. Je viens de remarquer depuis tout à l'heure, je parle à côté du micro. J'espère qu'on m'a bien entendu. Ah là là. Ah bah non, on n'est plus dans le bidonville, on est carrément dans la Wesh City, quoi. Là, c'est Darkland. Là. Où sont les autres? Laisse-moi te montrer. Je suis dans le game maintenant. Je vais aller à la planque. Ok, il y a le fils de pute. Ok, je me fais trahir, la base. Mec, il a un pseudo qui coule League of Legends, il fait le show là. Ok, il en a marre de moi. La base. Ça veut dire qu'il les a tués, non? Et donc tout va commencer sur une histoire de revanche, de vengeance. Et puis après ça va prendre de l'ampleur. Et ce qui est stylé, c'est qu'il y a l'air d'avoir un minimum de scénario. Qu'on a l'impression limite de jouer un petit jeu solo, mais je rappelle que c'est un MMORPG. Et je trouve ça assez intéressant qu'ils aient développé une petite histoire. On verra si elle est si profonde que ça. Mais quand on compare avec les derniers mots qu'on nous a sortis, Révélation Online. Un ching 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 chang chung, un ching 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 chang chung. Spam F, j'ai fait plus de gameplay en 5 minutes de ce jeu qu'en 18 heures de révélation online, je dirais. Mais bon, comme d'habitude, on va me dire que je suis trop strict. Et vous voyez, je dis pas que du mal des jeux. Quand il y en a des jeux qui sont un minimum propres, pour en dire du bien. Dommage que ce soit pas forcément mon style. Salut Jonathan. Ok. Ça marche, bro. On s'en bat les couilles. Ouais, franchement, balèque de sa vie. New mail has arrived. Alors, je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Probablement pas très longtemps de plus. Ah, nous sommes plus dans le tuto. Donc là, on va être spam de trucs. Trucs dont j'ai horreur. Il y a du people hein, sur la bêta. Wesh les bros. Moi j'aurais pu m'appeler Zayn en fait, je suis con. Bah ouais, pourquoi je m'appelle Diaz, moi? Je suis vraiment un trou du cul. Bon, c'est pas très grave. Nana Maleficia, Aesop, Padreco, Vanilliat. J'ai déjà un mec qui me cherche des noises, non, c'est bon. Bon, si je m'étais appelé Zayn, vous auriez vu forcément à la fois des gens qui m'auraient dit Wesh Zayn, et des mecs qui m'auraient dit oh non, pas ce fils de pute, lol. Au lancement. Peut-être lire nos spells. Alors, quickly stab with your daggers, dealing 31% damage 2 times to 3 enemies up to 3 meters in front of you. Cunning for 5 seconds when you attack its movement speed decreased by 30% while cunning. Ok, c'est un spell qui peut proc un petit move de move speed qui se cumule 5 fois. Saving your swing your poison, dealing 68% de damage, 5 ennemis, donc ça tape un peu plus de personnes, même portée. Il faut rester appuyé dessus pour faire un combo. Ça pompe masse mana. Ça, ça pompe pas de mana. Et les auto-attaques, ça régénère peut-être un peu plus vite la mana, je crois, j'ai cette sensation. Ok. Prendre ça, ça pompe vraiment beaucoup de mana. Le dash, il a pas l'air d'en pomper des masses. Ouais. Ok, ça marche. Et ça. Tiling 40%. Ok, donc. Ça régène de la mana en fait, le dash. Putain, mais c'est carrément des ballons volants et tout. On va tester tout ça, c'est pas possible là. Merde. Je suis un gris gauche, voilà.
Comment ça? C'est stylé. C'est cher, trop bien. Comment on descend? Oh, ça me fait monter de plus en plus haut, j'ai appuyé nulle part. Je peux pas descendre. What the fuck? Mais c'est le feu, mon gars. C'est le feu. Putain. Bon, je sais pas comment on descend. Il va y avoir une touche pour ça. Oh, j'ai perdu des PV, c'est pas cool, hein. Putain, mais pourquoi ils sortent pas des vrais mémos, bordel de merde? C'est trop bien. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. Et moi, j'arrête tout, hein. On va s'installer sur Maple Story 2. J'arrête absolument tout. C'est le feu, en vrai. C'est le feu. Bon. Je pense qu'on va en rester là. Tout simplement parce que je suis crevé. Et je vais avancer un peu en solo. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me le faire savoir, commentaire. Et puis je vous ferai peut-être un épisode soit facecam, soit condensé. Je vais faire des records un petit peu, donc je ferai probablement une vidéo comme j'en ai l'habitude. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une agréable soirée. Portez-vous bien, à très bientôt. Et puis comme d'habitude, bon jeu.